L'objectif du projet, c'est d'améliorer les conditions de rétention des élèves, en particulier les jeunes filles, donc dans les zones d'intervention de la région de Dosso. Et qu'est-ce qu'on constate? La majorité des parents, aujourd'hui encore dans les communautés rurales, privilégient le mariage précoce au détriment des études. Et on s'est dit, donc, la meilleure manière de faire en sorte que ces parents puissent changer d'attitude, c'est de les amener eux-mêmes à être impliqués dans le processus. Et ce que nous sommes en train de faire, justement, en nous basant surtout sur des modèles, donc des parents qui, eux, ont compris donc, les bénéfices de la scolarisation. Avec les communautés rurales, il faut établir la confiance. Donc, dès le départ, la première année, nous avons vraiment privilégié les investissements, les infrastructures. À nous aider avec bibliothèque, des livres, des toilettes, des tables. Avec Saoura, nous avons un laboratoire, donc les enseignants font des TP. Les élèves n'ont plus à aller se chercher dans les blouses et dans la blouse, donc ils ont la terre à leur disposition. Nous avons aussi une mini-addiction qui est Enavel, nous a approvisionné ici au sérieux de Tonkombankoso. Sinon, avant, on s'habille dans des puits. Avec Salona, nous avons un terrain multisport où on joue à handball, basket, foot, volleyball. Oui, même nous, les filles, nous jouons sur les terrains de multisport. Les enfants maintenant ont l'amour même de venir à l'école. L'éducation est un droit humain.